plus que quelques minutes à jouer et toujours ce petit but d'avance. Une énorme opportunité gâchée. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. À grosse pression, ballon perdu. Nathalie. Et belle intervention dans les pieds sans commettre de faute. Techniquement, c'est exactement ce qu'il fallait. Chiesa. Plus que 5 minutes avant la fin et toujours ce petit but d'avance à défendre. Oh, la frappe au but. Ah, la frappe est contrée. Et peut-être une chance d'égaliser. Il extrémise avec ce corner. Allez, c'est joué court. La balle est interceptée. Il y a un contre à jouer maintenant. Et la contre-attaque fait mal à la défense. Oh là là, la balle de match. Oh, ça va au fond, but. C'est officiel, on jouera encore 2 minutes supplémentaires. Bien joué, bien présent à la tombée. Ah, le corner bien tiré, aucune difficulté pour la défense. Et ça rentre, la fin de match avec du suspense. Un seul but d'écart, tout est encore possible. On revoit ce corner, c'est parfaitement bien frappé, bien négocié. C'est donc la fin du temps réglementaire et sans doute une désillusion avec cette défaite à la maison. Leur expression corporelle le dit très bien, elles sont déçues. Ça s'est joué à pas grand-chose dans ce match, mais le talent est là. Elles rebondiront bientôt, c'est certain. Bonsoir à tous, la nuit est magnifique au-dessus de ce stade et les conditions sont donc parfaites pour jouer au foot. On a hâte que ça commence. Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca, c'est donc avec la team Dada dans les oreilles que vous allez passer les prochaines minutes. On va prendre du plaisir à suivre cette rencontre tous ensemble et on sent déjà l'ambiance générale. C'est une très belle rencontre qui s'annonce. Et oui, on est là pour discuter, crier, applaudir, c'est ça le football. Le football, sa parole, c'est pas du football. Ah, ils se font subtiliser le ballon. Chiesa reçoit le ballon. Là, ça joue sur Ante Rebic. Ah, c'était très dangereux, mais c'est une très bonne intervention. Et voilà la compo officielle de cette équipe. Dans le but, c'est Mike Maignan. Stanislav Lobotka sera épaulé par Sandro Tonali au milieu de terrain. Et enfin, ce duo en attaque. Et voilà un joueur qui est au centre de tous les regards aujourd'hui, c'est Federico. On le sait, son dernier geste toujours très naturel. Il y a toujours cette simplicité au moment de rentrer dans la surface. J'admire ses qualités de finition, toujours bien placé, toujours sur la trajectoire du ballon. Cuadrado reçoit le ballon. Ah, il lève bien la tête. Récupération musclée tout en évitant le pénalty.
Oui, un peu d'espace, l'occasion d'avancer dans le couloir. Et ça joue sur Jonathan Ikoné. Et il remporte son duel, bien défendu. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Et voilà, un ballon parfaitement capté. On dit ça. Et c'est récupéré, ça. Théo Hernandez avec le ballon. Et c'est encore pour Chiesa. Ça y est, la pièce est égalée. Ah, la frappe, c'est bien tenté. Au sauvetage de Maignan. Juan Cuadrado, oui, dépossédé du ballon à la régulière. Ballon pour Di Lorenzo. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Ah voilà, il suffit de le dire, et finalement derrière le ballon est perdu. Le ballon pour Federico Chiesa. Ouais, c'était bien parti, mais la défense est vigilante. Ballon pour Marquisio. L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger. Oh, la passe est complètement loupée. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Avec ce match très équilibré entre les deux formations, il faut maintenant voir si l'une des deux équipes va parvenir à prendre le dessus. Aucune difficulté pour capter le ballon. Jonathan Ikoné. La bonne présence au duel. Le ballon change de camp. Le Ponti Lorenzo. Attention à la frappe. Ouh, quelle parade! Et malheureusement, ça sert à rien parce que le hors-jeu est signalé. Et pour l'instant, le match de Federico Chiesa et l'Italien ne répond pas aux armes. Et non, hors-jeu de rien du tout. Anguissa. Chiesa reçoit le ballon avec Théo Hernandez. Marquisio. Di Lorenzo avec la balle. Sous la pression et donc le ballon. Fini par sortir. Marušić.
Ouais, bonne récupération du ballon. Ah, il y a sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque. Dia. Et ça joue sur Jonathan Ikoné. Jonathan Ikoné. Et la bonne parade du gardien. Ah, le corner bien tiré. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Récupération du ballon. Pour l'instant, ce que je vois, c'est un match qui donne envie de tendre la télé et d'aller faire un footing. On dirait que les deux équipes se regardent. Personne ne veut prendre la supériorité et ça donne une rencontre épaisse, sans fluidité. Excellent, le geste défensif là. Le ballon pour Federico Chiesa. Ah, il y a un contre possible à jouer là. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Le geste est raté, l'action n'est donc pas terminée. Goal, 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 goal. La délivrance dans cette fin de match. Un but important à un moment clé. Ils prennent l'avantage. 1-0. Ça donne une autre dimension, une autre saveur pour la suite. Il faut avoir une lecture tactique raffinée pour les dernières minutes. Super progression dans la moitié adverse. Il peut tenter sa chance. Oui, bonne intervention. Excellente intervention dans la surface. Ah, c'est une passe en profondeur, dangereuse, mais bien interceptée. Une balle jouée en profondeur. Ah non, malheureusement, ça ne donne rien du tout. Cette occasion est hyper importante. C'est peut-être l'une des dernières pour tenter de recoller au score. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Ah, la défense peine à revenir. Ah, c'est dommage, il y avait une bonne situation à jouer sur ce contre, mais le ballon est rendu à l'adversaire. Allons pour Di Lorenzo. Ah, c'est parfaitement défendu ça. Chiesa. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Jonathan Ikoné avec le ballon. Et une bonne. Intervention de la défense sur ce duel, le ballon est en corner. Ah, le jeu est interrompu pour un remplacement. Combinaison sur ce coup de pied arrêté. Et ça presse sur Théo Hernandez. Et c'est là-dessus donc que l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Une mauvaise opération, surtout à domicile. Ben voilà, le